Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade qui fait seul près de la frontière. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non. C'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures, je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike, on va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales, pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Vous aussi, vous croyez tout ce qu'on dit aux infos? Que les vilains nomades sont la source des problèmes dans le monde? Non, je respecte l'ordre. Les corpos nous ont apporté l'ordre, et j'ai bien l'intention de le maintenir. Les corpos vous payent et vous tiennent en laisse comme un chien, vous savez ça? Ouais. Alors me forcez pas à montrer les crocs. Je vous repose la question. Où est votre clan? Y a pas de clan, et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. On m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair?
vous ai déjà dit. Je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher et barrez-vous, Fissa. Allô ? À toi ! À toi ! Ah, je te reçois, ça y est. Willy McCoy, c'est bon de t'entendre. Hé ! J'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore ? Une dernière fois ? Tu dois trouver le client qui a ma cargaison. Je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit, au bon moment ? Hein ? Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi ? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client ? Jackie Wells. Ouais, il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géologue. Ah, merci, Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition.
ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. J'ai préféré pas faire de vagues. Ce comte shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ça pèse une tonne. Bon, on décolle. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok? T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? Pour le favor. Ok. Peut-être un peu. T'inquiète, laisse-moi parler. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Présentez-vous en salle numéro 2. Asseyez-vous. Au papier. Contrôle de routine? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là.
Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Aucun clan. Je roule tout seul, pour moi. C'est... courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, autant dire ignorants. Comment ça s'est passé? Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Dire ce qui s'est passé là-bas. Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Ah, merde. Et ça t'arrive souvent? C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là. Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Merde! Restez là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Fais chier. Merci, Ross, de soutenir la madre. Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingalo! C'était censé être un job tranquille. Sans accro. Eh, si tu penses que c'est ma faute, t'as qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent?
et sortirait comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. On fait quoi maintenant? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo qu'on trimballe. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. Tu m'as piégé. Ah ouais. Désolé d'avoir enfreint ton code de l'honneur de trafiquant. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames! Un vrai iguane! Des petites Antilles, je crois. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je sens que tu vas avoir plein de temps libre et pas grand-chose à faire. Et à Night City, tu peux pas vraiment t'en sortir sans pote. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey! Non, oh, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh! Ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre! À Night City! La cité des rêves!
La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation.